Just Got Pipe, ZZ Top. Hyper rock'n'roll, vous allez voir, ça déchire. Alors, pour ce titre, on va s'accorder en open tuning de mi. Hein? Donc on va être mi. Bémol, si, mi. Donc sur la démo là, on est à un tempo de 101 à la noire. Donc on va enregistrer juste le riff sur une version à 70 à la noire pour travailler. Je rappelle qu'on est en open tuning de mi et que on va jouer avec le bottleneck sur un doigt. Donc si vous avez suivi mes vidéos sur l'apprentissage du bottleneck, vous savez que on n'est pas obligé d'utiliser ce doigt là moi j'utilise celui là maintenant vous utiliserez bien celui que vous voulez, et on va regarder tout de suite les notes de ce riff. Alors, les notes vont être alternées avec une basse. On va d'abord regarder les notes. Donc ça, c'est les notes qu'on va faire. Hein. Donc on va faire sur la corde de La, 3e, 5e. Puis, 3e sur la corde de Ré. 5e sur la corde de La, 3e sur la corde de La, 5e sur la corde de La, 3e sur la corde de Mi en relâchant, et on revient 5e sur la corde de La. Voilà les notes du riff. Maintenant, on va rajouter la corde à vide, c'est-à-dire le mi grave à vide. Donc on le fait doucement. Encore une fois. On alterne toute l'intro que je vous ai montré avec le mi à vide. Dans l'aigu, on va faire. Mais ça, on va le faire au bottleneck. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire 10-12 sur la corde de Ré, 11e sur la corde de Sol, 12e sur la corde de Ré, 10e sur la corde de Ré. À nouveau, 12e, 10e sur la corde. Et on termine 15e sur la corde de Sol. Encore une fois. Et quand le chant va commencer, on va faire, en fait, les cordes à vide en étouffant légèrement.
venir à la dixième frette. Ensuite, on va reprendre le... Ensuite, on a troisième fret, un bottleneck, quinzième fret, puis cinquième fret, dix-septième fret. Phrase du chorus, notamment quand il arrête, hein. En fait, il va beaucoup utiliser, en fait, vous allez voir, toutes les positions d'accord. Hein. Donc, toujours, il joue beaucoup. Alors, on est, n'oublions pas qu'on est là sur une grosse saturation. Hein. Là, moi, je suis vraiment au minimum. Donc, je simplement pour vous montrer les doigtés. Hein. Il reprend le chorus, il a cette phrase, c'est la glisser sur la corde de mi là. Toujours sur les positions d'accord. Ce genre de plan, il affectionne aussi. Il faut aller très vite. Toujours sur les positions d'accord, hein, 12-10. On est toujours sur les positions d'accord. Terminer son chorus avec cette position. Sur les positions d'accord, là on est à la cinquième, hein, et là on est à la dixième. La fin du deuxième chorus, il va faire, il va partir là sur là en fait, il va monter à la 19e case cette fois, hein, qui est vraiment une très jolie phrase dans ce morceau, et qui va lui permettre de enchaîner derrière, hein. Il va faire donc là il est en fait là ici à la 19e sur la corde de mi, il va faire 19 sur la corde de si, redescend. Il va redescendre à la 17e sur la corde de si, 17e sur la corde de sol et remonter à la 19e sur la corde de sol. Hein.